Ça, c'est une actrice du film qui s'appelle Amy. Et là, maintenant, c'est vous, les journalistes. Je vais répondre à vos questions et je suis à votre disposition pour le film que je viens de réaliser. C'est mon premier long métrage et ça s'appelle Brillantissime. J'aime tellement mon métier, j'avais envie de partager les émotions qu'on a quand on fait un film. Et je voulais partager ça, hein, t'es d'accord Amy, ouais. avec des gens qui font pas ce métier. Et on a décidé donc de faire ensemble Brillantissime, qui était un projet que je développais parallèlement, mais qui a été monté de manière très classique avec les chaînes de télévision, puisque c'est un film France 2 et un film Studio Canal et Canal+. Et en fait, l'argent des coprods a servi un peu à organiser tout ce qui servait cette aventure-là, qui est d'abord une aventure humaine. Ça nous a donné quelque chose de particulièrement festif. Et c'est vrai que partout en France, chaque fois que je rencontre un coprod, il se passe un truc particulier. Voilà, on a fait ensemble une aventure très spéciale. Il y en a plusieurs parce que ça dépend des moments. Là, par exemple, je suis en tournée avec l'espace et ça, je suis tellement heureuse. Cette voiture, on l'adore parce qu'on est, quatre. Il y a Jérémy qui conduit la voiture, il y a Clem qui travaille avec moi et il y a Amy et moi. Et là, c'est la fête quand on est dans cette voiture. Ce qui peut m'énerver, mais ça m'énerve tellement que ça me fait éclater de rire. C'est les gens qui ne pensent pas aux autres, ce qui arrive quand même un petit peu régulièrement, et qui vont avancer de 2 cm et bloquer complètement la rue pour avoir avancé justement de 2 cm. Alors, sur le moment, je peux avoir une petite colère qui monte, et puis très vite, c'est tellement énorme que j'éclate de rire, et ça les vexe, et du coup, ils me voient rire et ils reculent. C'est quand même une bonne méthode. Évidemment, Amy nous quitte parce qu'elle sait que je vais chanter. Bon. Alors, c'est une chanson qui est dans le film. Ça s'appelle « J'ai les semelles qui collent ». Et c'est Alex Baupin qui l'a composée. Et ça donne ça, c'est « J'ai les semelles qui collent, le bitume a du fond, j'ai les semelles qui collent, il n'y a plus rien qui décolle ». Sûrement j'ai dû confondre, mélanger les alcools. Voilà. En général, je dis andouille. Mais avance, andouille! Avec tous. Donc il faut trouver une grosse voiture. Parce que vraiment, c'est une vraie famille. On s'amuse beaucoup ensemble, on s'aime énormément tous et on s'admire beaucoup. Et on rit tellement. Donc, faut qu'on trouve une voiture Renault assez grande pour nous loger tous. Je veux pas m'avancer, mais j'ai envie de dire moi. Hein. Je préfère dire moi. C'est comme ça, c'est un peu intuitif, mais je le sens comme ça. Alors, là, je vais tourner un premier long métrage de Stéphane Benlassen. Donc, son premier film s'appelle Premier de la classe. Et je tourne ça en mars et avril. Et je joue le rôle d'un professeur dans un lycée. Et puis je suis en train de terminer l'écriture du scénario qui s'appelle Mariage pour toutes avec Muriel Robin qui est coécrit encore par Benjamin Morgan et Yonel Dutemps qui sont les auteurs, co-auteurs avec moi de Brillantissime. Donc je vous remercie et puis à très bientôt.